Et bien c'est tout le monde, c'est Xavier Sky, aujourd'hui on se retrouve pour ce que j'avais annoncé depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'on va faire tous les God of War, enfin du moins ceux que je n'ai pas fait. Donc c'est-à-dire God of War Chain of Olympus, God of War 1, God of War Ghost of Sparta, God of War 2 et God of War 3. Donc du coup, vu que j'ai déjà techniquement fait Ascension sur PS3 à l'époque, on va faire ce Chain of Olympus qui est sorti sur PSP. Nous sommes sur Zémulateur parce que, même pas en rêve, je vais m'abonner au PS Now pour avoir des versions Cloud Gaming dégueulasses. Ou même ne serait-ce qu'envisager d'acheter les collections HD. Hein, parce que de toute façon, j'ai même pas envie de ressortir ma PS3. Donc voilà, ça sera en full émulation, sauf pour God of War 3 parce que j'ai acheté la version Remastered. Sur PS4, donc on pourra donc le lancer via la PS5, je crois, parce qu'il y a mes souvenirs, il est compatible. Mais bon, on va donc commencer par l'épisode PSP, les chaînes de l'Olympe. Allez, ma Lucette. Ah, si jamais, il y a donc un save state sur l'émulateur, donc je me demande si on va peut-être pas envisager justement de l'utiliser, mais on verra ça plus tard. Allez, nouvelle partie, en héros. Après des années de souffrance, Kratos, le grand général, devenu le fantôme de Sparte, avait mis son bras au service des dieux de l'Olympe. En retour, il espérait simplement pouvoir se débarrasser des cauchemars qui le hantaient depuis trop longtemps. À ses péchés du passé, il ne trouva de répit et d'apaisement que dans le fracas des armes. C'est alors que Kratos avait été appelé par les dieux pour affronter une menace inconcevable, lâchée par les envahisseurs perses sur la ville d'Attique. Allez, ma Lucette. Ah, ce bon vieux style. Viens ici, ma biche. Oh, ouais. Le bon vieux beat'em all de l'époque, là. Par contre, malheureusement, on n'aura pas les sous-titres, je pense. D'ailleurs, truc marrant sur l'émulateur, c'est que si je maintiens la gâchette de droite, ça accélère le jeu. Donc on va peut-être éviter d'appuyer sur la gâchette de droite. Allez. La bonne baston. Ah, ça me manque le Kratos vénère de l'époque. Ah ouais, techniquement, Kratos, c'est le Doom Slayer grec, hein, quand on regarde. Hein. Allez. Oh, regardez-moi cette vieille icône du joystick de la PS... de la peu-se-peu. La peu-se-peu d'or. Allez, let's go! En tout cas, j'ai pas hâte de retourner sur la version PS2. La version PS2, il fallait utiliser le joystick droit pour faire des esquives, ce que je trouve absolument dégueulasse. Et vraiment mal pensé. Les orbes vertes régènent de la vie. Non, tu crois? C'est pas pour un. Ah, je t'avais pas vu, excuse-moi. Bon. Et si en fait, ce qu'on va faire, c'est maintenir les deux gâchettes. Et faire une direction. Ah ouais, ça va, pour la PSP, c'est pas... Enfin, c'est cool pour l'époque, hein. Bon, PlayStation, quand est-ce que vous nous ressortez une PSP 2, là? Hey, appuyez plusieurs fois. Ah, les QTE, ça m'avait pas manqué, ça.
Oh, miam, 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 miam. Mmh. Il était bon, l'ogre. Mmh. Ah, vas-y. Arrête de me bouffer le cul. Oh, non. Oh, putain, j'ai fait trop auto. Vous voyez des petits glitches visuels, c'est normal aussi. Genre sur la barre de vie du boss, là, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de... de petite ligne, comme si c'était mal aligné. Et bim! Comment je vais t'éclater ta gueule avec ça là? Allez bim! Vas-y Kratos là, ouais! Monte ta violence! Bah et donc il y a du sang partout ici. Hein. Au moins il est borné maintenant, c'est déjà pas mal. Du coup, ce que je peux faire là, c'est. Bon, on va éviter quand même parce que sinon vous allez devenir fou. Allez, on pousse! Oh, la puissance d'un homme! Et vas-y Kratos, allez vas-y. Attendez les gars, j'ai oublié le loot. Et j'ai oublié de sauvegarder aussi. Bah le loot c'est surtout les orbes. Ouais. Ah, je serai jamais fan de ce système où est-ce qu'il faut ramasser X objets pour pouvoir augmenter sa barre de vie. Jamais aimé ça. Bonjour messieurs! Oulala, non, 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 non. Calmez-vous, s'il vous plaît. Donnez-moi les orbes. Et glou, glou, glou. Commence par les archers. Ah, meurs, c'est bon. You dead. C'est quoi qu'on a les coffres qui switchent entre vert et rouge là? Oui c'est bon on a les coffres. Mais d'abord on va tuer monsieur. Faudrait que Sony retourne à ce bon vieux style de God of War. Ou alors même faire des remakes du 1, du 2, du 3, ça serait cool en vrai. Cours Kratos, cours, 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 oui. Ah, saleté d'archer, je bouais. Ressentez la puissance de mes lames. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous avouez que j'ai juste testé un petit peu. J'étais arrivé jusque là. Je savais pas trop quoi faire. Ça se casse ça, ouais. Hmm. Ça a l'air cassable.
ça. Prends ça. Peut-être que je tape là-dessus. Ah ouais. Je continue à penser que le Doom Slayer est quand même vachement plus puissant que Kratos. Hein. Hop 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 hop. Peut pas aller prendre ce coffre là-bas. Yeah, punaise, j'avais pas vu, mais il en faut 5. Ah, non, d'accord, faut plier. Oh, le T-Rex, il va se calmer là. Là, je serais curieux de savoir, faut combien de temps pour finir Chain of Olympus. Techniquement, si c'est un épisode PSP, ça devait pas être bien long. Non! Oh non! Oh, je déteste le passage. Ah! Je sais pas à quoi ça sert de prendre de la vie vu que techniquement on est bien. Quelle calamité as-tu apporté sur cette ville, Perse? Calamité? Ce n'est pas une calamité que j'apporte, Spartiate. C'est la puissance de la Perse et le sacrement de la purification. À l'instant même, mon basilic nettoie cette terre pour qu'elle accueille la gloire de l'Empire Perse. L'Olympe a un message et je suis ici pour le remettre. Alors tu n'es qu'un messager. Rapporte ce message à tes petits dieux. Il faudra plus qu'un misérable spartiate pour stopper la puissance de l'Empire. Oh mon dieu, les cinématiques sont dégueulasses. En même temps, ce qui est un petit peu normal, parce que de toute façon, c'est de la PSP, hein. Fallait pas s'attendre à des graphismes de fou furieux pour l'époque, hein. Arrête de me gangbang dans le coin, là. Et je peux plus bouger, les gens. Ah, c'est bon, je peux bouger. Eh bah putain. Aïe. Ah, c'est pas facile de devoir appuyer sur deux touches pour esquiver quand même. On va prendre, hein. On peut le faire voler ou pas? Non, on peut pas, dommage. En même temps, il est sacrément imposant, hein, si vous me permettez l'expression. Ouf. Non, c'est moi qui vais gagner. Quoi? Mais j'ai appuyé, wesh. C'est quoi ce temps de réaction de fou furieux qu'il faut pour les QTE? Ah putain, je me suis gouré. Pas ma biche. Allez. Allez, rond. On spamme le rond. Et... Mais quoi? Ah mais ça change. Ok,
Voilà. Ok, ça s'annonce très mal. Bon, allez, on va essayer d'être réactif. Sortir nos meilleurs réflexes. Voilà. Ah mais putain. Après je me fais avoir parce que je pense que vu que la touche est en haut. J'ai l'impression que c'était un triangle. Mais c'est pas grave. Je sais, c'est moche de me voir galérer sur des QTE à la con. Allez, X, focus. X. Prends. Je t'en prie, épargne-moi et je te donnerai tout ce que tu désires. Je ne désire rien, Perse. Prends mon royaume, mes femmes, mon or. Tes richesses ne m'intéressent pas, mais je vais prendre ta vie. Stylé! Par contre, je suis désolé, hein, mais. Je pense qu'on va éviter tout ce qui est. Contenu coquin, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on sait très bien que le Kratos, lui, il aimait bien. Faire bim bam boum avec des demoiselles. Non! Oh putain, plus de pistes, c'est que je crois qu'on gagne des trucs à faire ces machins-là. Non, désolé les gens. Je sais que c'est tentant, mais on est en 2024 malheureusement, hein. Les gens, ce sont des gros... Enfin, YouTube, c'est devenu des gros fragiles. Vous connaissez, hein, techniquement, je serais le premier à aller cliquer sur ce genre de choses, mais... Malheureusement, voilà, YouTube, la politique, tout ça... Y'a pas ici... Ah si, y'en a là. Je serais plus que heureux de pouvoir faire ce genre de choses, hein. Ah merde! Faut que je tourne. Comment j'annule? On peut pas annuler? Ah merde! Ça fait les Kratos, dis donc, tiens. Oh sérieux, faut que je le passe en full. Let's go! Oh là, je vais louper tous les passages érotiques. Je suis triste. Là, vous rendez compte, même 20 minutes de jeu, il y a déjà un passage olé olé, quoi. Je peux même pas en profiter. Mon royaume pour que YouTube autorise ce genre de choses encore. Ça a été bien à l'époque de la PS3 sur YouTube, hein. Au moins on pouvait faire ce qu'on voulait, hein. Contenu violent, contenu olé olé. Bon, pas forcément des anti-games, hein, mais... C'est long! Oui, d'ailleurs.
Quoi, faut 2650 or pour améliorer les lames. Ça va être long, hein. Ah, ça veut dire que je peux pas me barrer tant qu'il est là. Pouvoir faire mieux, Cyclope Chan. Sérieusement les gens, ça vous manque pas à God of War en Beats and Mall comme à l'époque là. Ah, ça me manque un peu, hein, sans mentir. C'est ce qu'on appelle une circoncision de l'œil. Le pauvre. On est d'accord que le bleu c'est la mana, hein. Ouais. Vous m'avez loupé. Bonjour. Moi je les tue comme ça, ça va plus vite, hein. Alors c'est pas le meilleur moyen de faire des combos, mais bon. Allez, encore deux. Allez, plus d'âme! Plus de sang! Atos, c'est un petit peu la Lara Croft chauve. Ouais, je trouve que ça sert à rien de faire ça. Parce qu'au final, techniquement, ils peuvent remettre l'échelle, non? Eh ben non, tu m'auras pas, baby. Toi non plus. T'as quelque chose ici? Ah si, je vois un coffre. Comment on y accède? D'accord qu'il n'y a pas d'entrée. Non. Allez, venez les petits ennemis là, comme ça au moins, ça me fait des bonnes âmes. On arrive, faut aller en bas, hein, c'est obligé. Pas moins de descendre. Non. Alors là, je vois vraiment pas comment je suis supposé accéder à ça. Hein. Y'a rien. Là, je tape, y'a rien. Ça, ça a rien fait non. Vous allez venir à l'infini, les gars, ou... T'as
T'as la force d'un dieu, Kratos, t'es pas foutu de pouvoir soulever ça. Enfin, tirer ça. Enfin, remarque, est-ce qu'à ce moment-là, il a déjà techniquement la force d'un dieu? Moi, je suis tenté de dire que oui. Hein. Ouais. Ah bah il avait faim, hein. Ok, notre personnel, les archers ont une visée de presque 100%. On va remettre quelque chose ici. Oh non, va falloir mettre le corps du gars, c'est ça? Donc ça, c'est important. Brûlez ! Ta-na-na-na. Les coffres, ils sont radins en âme, c'est un truc de fou. I need blue. Merci pour le blue. En fait, pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher le corps de ce gars alors que techniquement je pourrais prendre les corps de ces gars-là que je suis en train de tuer? C'est ça que je comprends pas en fait. Bonjour à quelqu'un! Il y aura un autre corps dans le coin. What? Regardez, hein. What? Y a plus d'ennemis qui viennent. Ouais. D'accord, c'est pas possible. Oula. Attendez, excusez-moi.
Qu'est-ce que je loupe? Oula! Un beau glitch visuel, ça. Il y aurait moyen de le lancer? Non. Oups, pardon. Non. Je loupe quelque chose, mais quoi? Ah merde. Allez, on va mettre le côté. Ah, c'est un petit peu le problème des caméras fixes. Hein. Les Kratos, push, push. Les Kratos, push, push. Non, c'est lui. Allez, allez. Mais ramasse-le! Voilà, allez, on va pouvoir continuer, c'est cool. On va prendre ça. Et un point de sauvegarde. Bon, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter, les gens. Pour ce premier épisode, parce que je vous avoue que j'ai quand même envie d'aller voir sur internet combien de temps il faut pour finir le jeu. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Pour son du rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la couillitude comme d'habitude. Vous que ça chanson, vous que c'est l'élect, vous que c'est le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bye, bye. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.